bones rot, just like my name was Flash. But all right, welcome back tout le monde. Enfin, troisième match, semi-finale, ATX Zero versus Canabuzz, donc Master versus Diamond. Ça va être un TVP sur Zergling TV, Québec Official, tout le monde. Restez en ligne, le tournoi ensuite de ça, ça va être un best of three. Dépendamment, là, ATX Zero ou Canabuzz versus Orly. Un gagnant du dernier match, là, le dernier match qui était pas mal intense. Orly qui a fait un bon map control, qui a poussé les units tout le long là, du match, donc c'était pas mal intense. Donc quand les joueurs sont prêts, on va partir le troisième match en live stream sur Québec Official Zergling TV. ATX Zero versus Canabuzz, Terran versus Protoss, préparez-vous. Alright, c'est parti. On m'a mis host la game. Là, on aurait attendu longtemps si je les aurais laissé faire. Donc, la map Aquilon Waste. Une map pas mal nice. Une map que j'aime bien aussi de mon côté. Donc, un preview de la map Aquilon Waste. Les Elnaga Tower qui sont bien positionnés dans cette map-là. Surtout là, TVP risque d'être pas mal bon. C'est cross-map, donc on se pose pas de questions. On va scouter directement au bon endroit. Je viens de remarquer que j'avais encore mon title de Bronze League Action. Désolé pour tous les joueurs qui ont joué avec ce title-là. Je viens d'enlever, alright. Donc, ATX dans le coin droit en bas et Canabuzz en haut à gauche. Deux nouveaux joueurs sur Québec Official Zergling TV. On m'a dit que ATX Zero était un Coréen. Donc, watch out guys. Coréens qui sont toujours assez intenses. Ben, Hydroponic vient de me dire d'enlever mon Bronze League Action. Je viens de m'en rendre compte. Sorry guys. C'est pas grave, on aime ça. Je joue des matchs Bronze League en après-midi, donc, ben Bronze League. Je suis Gold, là, mais je me considère encore comme un bronze. Bon. Canabuzz avec son pylon. Il y a pas mal juste des units qui sont créés présentement. Des units, des drones, des SCV, des probes. La baraque qui est en construction. Le gateway aussi qui va sortir assez rapidement. Le premier probe qui se dirige vers la base de ATX Zero. Chaque fois que je vois un probe s'approcher d'une base, j'ai toujours l'impression qu'il va aller faire des choses pas trop legit. Le probe qui va voir rentrer la rampe qui est pas bloquée. On va avancer dans la base de ATX Zero pour aller voir où est-ce qu'il en est rendu. On va voir le gaz qui est à 3 workers. Le Cybernetic Core qui est construit assez rapidement, là, 2 minutes 54 pour Canabuzz. Donc un build assez régulier des deux côtés. Le gaz, le deuxième gaz, tout de suite pris. Le premier Marine qui va sortir très bientôt, là, on va aller s'en prendre au Pro qui est ici. Et voilà la B2 qui est positionnée pour ATX Zero. Par contre, présentement Canabuzz qui a l'air de vouloir s'enligner pour rusher un peu, là, mettre un peu de pression. Le Reaper qui est en direction de la base de Canabuzz. Le Reaper qui va avoir le temps de scouter tout ce qui est dans la base de Canabuzz présentement. On y était pour le réacteur. Le Mothership Core qui est bientôt prêt.
le Mothership Core qui va bien pouvoir défendre la base. Là aussi, le Stalker qui était déjà prêt, donc on fait reculer tout de suite le Reaper. Mais le Reaper qui a pris une bonne prise d'information, on sait absolument tout ce que Canabas construit présentement. La factory qui est bientôt prête. ATX Zero qui va sur 111. Le Mothership Core qui est en route. Alors, on n'a pas beaucoup de Marines là, présentement 4 Marines. Ça pourrait amplement faire la job, malgré que non. Deux Stalkers aussi qui sont en direction de la base de ATX Zero. Avec un peu de chance, on va leur pousser avec le bunker. Les Stalkers qui font tomber le Reaper, le push assez rapide du côté de Canabas, là, le bunker qui devrait faire une bonne job ici, mais on a toujours le Mothership Core qui pourrait changer totalement la situation. Un Widowmine qui va être positionné ici, très bon endroit, on va éviter que le Mothership Core s'approche. Là, présentement, on a 5 Marines et un Widowmine. Le compte des supplies, là, 27 à 27. Les deux joueurs qui sont pas mal égales présentement. La B2 de Canabas qui va être bientôt prête. On positionne une robotique facility et un troisième gate. Le proxy pylon qui est positionné à un bon endroit. Premier Medivac avec un Widowmine, peut-être pour aller faire un peu d'harcèlement, mais je crois qu'on aurait dû peut-être dû garder la Widowmine dans la base, parce que présentement, je pense qu'il va y avoir un push du côté de Canabas. Les Marines qui restent là positionnés, la Widowmine, est-ce qu'on va avoir le temps d'être positionné? Parfait! Parfait, bon jeu de Canabas. Le slow là, qui est positionné sur les Marines, on va décider de les ramener dans le bunker, bon jeu. Par contre, ici, là, les deux portes sont ouvertes, oh, on a fermé les portes à la bonne seconde. Des SCV qui vont s'approcher, mais il va être trop tard pour détruire. Bon jeu de Micro du côté d'ATX qui sort les Marines tranquillement. Mais là, il y a beaucoup plus de Stalkers qui se dirigent vers la base de ATX Zero. Le Starport qui essaie de sortir deux Medivac là, présentement. Là, le maraudeur qui est tombé sous la pression des Stalkers qui sont accotés sur les buildings complètement. ATX Zero qui est supply cap présentement. C'est un peu chaotique comme situation. Ouf, on va pousser les SCV. Là. Il y a 5 Marines qui se dirigent en haut vers la base, mais on les a amenés beaucoup trop près. Là. Les SCV qui sont poussés sur les Stalkers. Est-ce qu'on va réussir à repousser cette attaque-là? Là? Les Marines qui vont absolument falloir détruire le Mothership Core le plus vite possible. On entoure les Stalkers avec les SCV. Les Medivac qui font une bonne job pour repousser les Stalkers, détruire les Stalkers le plus rapidement possible. Et voilà le Maraudeur qui sort qui a sauvé la mise. Parfait, bon jeu du côté des TX qui a repoussé le push, mais on a perdu beaucoup de SCV, là, le compte des SCV, 31 pour Canabas et 19 pour ATX Zero, 19 Probe, et voilà la Widowmine qui se positionne à l'entrée de la base, le Proxy Pylon qui est toujours là, toujours en santé avec un drone à ses côtés. Ici, on a un observeur qui pourrait aller se diriger vers la base de ATX Zero. On décide de vouloir faire un push, un drop dans la base de ATX Zero. Bonne décision, par contre, les units qui sont présentement dans la base, à moins qu'on les déplace d'ici au temps où est-ce que le drop va passer. Là, ici, le Proxy Pylon qui n'a pas été vu par le drop, malheureusement. On rassemble plus de units, on va les poser dans le bunker. Question de bien bloquer l'entrée. On fait faire un bon tour aux Medivac, les Medivac qui vont se diriger vers la base pendant que Canabas approche les units vers le Proxy Pylon. De son côté, on va aller positionner la Widowmind. Est-ce que la Widowmind, on va la perdre? Probablement, là, il n'y aura pas le temps de se positionner. Parfait. Pour le côté de Canabas, là, les Medivac qui sont arrêtés dans la base, on ne fait pas de drop. Et voilà, les units tombent un petit peu en retard, par contre. On va réussir à faire pas mal de dommages de ce côté-là. Par contre, ici, deux Stalkers sont toujours prêts. On décide de ramener les units. Ça va donner un peu de temps pour ATX Zero de
construire un petit peu plus d'armée dans sa base. Les units qui sont drapées avec un petit peu de positionnement. Par contre, là, ce ne sera pas assez. Le ship port est un peu slow sur le maraudeur. On va ramener les médivacs à la maison, mais on a gagné beaucoup de temps là-dessus. Très bon jeu d'ATX Zero. On a pu ramasser pas mal plus de units, remplir deux bunkers. Les deux bases là, qui sont pas complètement saturées présentement, là, étant donné qu'on a perdu beaucoup de workers plutôt. Bonne composition d'armée des deux côtés, là, je pense que ça pourrait le faire. Les trois sentries sont un peu trop. Oh, what's up Zoro? Good morning! Et voilà un push du côté de Canabas. Canabas qui push dans la base d'ATX Zero et ATX Zero qui essaie de ramener toutes les SCV dans l'armée pour question de faire un petit peu un bloc là, mais ça sera pas assez. L'illusion du Colossus qui a pas fait reculer ATX Zero d'une miette. Là on va pousser les SCV sur les joues mortels. Bonne décision de diminuer les SCV dans ces barreaux-là, mais on perd beaucoup de SCV. Nice game ATX Zero. GG! Early GG pour Canabas ATX Zero qui gagne le match. Québec Official qui s'en va en finale contre notre ami Zerg. Donc on se revoit au prochain match pour la finale Québec Official, Zergling TV. Restez tuned tout le monde. Nice game. Bold player. Et on se revoit très bientôt. Prochain match. Ça sera pas bien long.